Perle de femme, femme sacrée, femme perlée, tu connais les mystères de l'invisible. Ton écoute et ton accueil, comme cet enfant que tu fais naître, est source de vie et d'abondance. Joie de l'être que tu es naturellement. Tu ne demandes qu'à être aimé, comme tu sais aimer naturellement. Vois comme ce rassemblement a œuvré et permis des libérations de ton âme qui parfois s'est vue attristée de ses actes sans respect. Vois au-delà des appâts rances et porte ton regard à l'intérieur de l'être que tu es, tout simplement. Laisse aller les mouvements de ta vie et envoie de belles intentions, tout en gardant une attention velours, afin que le monde s'en recueille infiniment. Ces photos sont le signe de ta reliance, de l'alliance que nous avons retrouvée, manifestée par ces corps et ces regards, tendresse exprimée par des gestes purs et saints. Je t'invite à méditer sur cette canalisation, toi qui m'écoutes, et à me faire tes propres retours, que ce soit des ressentis qui te viennent en écoutant plusieurs fois cette méditation active. Voilà, ou simplement en intégrant chacun des mots pour retrouver la conscience de cette femme que tu es, nourrissante, abondante, recueillie, et que tu accueilles tout simplement. Voilà, ceci était un extrait lu de mon livre Conversation avec mon âme, le premier tome qui est disponible sur mon site révélerses-talents.com. À tout bientôt, avec amour, Marie-Pierre.